Jean, ça t'est annoncé hier qui était dimanche 11 juin. Oui, sommet CARICOM nan, il était démarré dans le pays Jamaïque. Premier ministre Ariel Henry, dans le moment, te prend la parole. Et dans l'occasion, il était humilié différents acteurs qui ne prennent pas la rencontre. Automatiquement, il était fini de déclarer que lui-même en soi, il n'est pas venu négocier un nouvel accord politique. Et bien, tout de suite après l'intervention, le chef gouvernement te quitté table discussion yo sans pas de aucune proposition sur cette crise de l'autre acteur yo. Mesdames, messieurs, nous avons tout dans l'autre bois, bandit à examen dans la Tibonite qui passe pour une fête et des fêtes dans le département. Et bien, quoi il est là, yo a travail pour prendre contrôle en pile côté dans la Tibonite. C'est bien sûr cas pour 4e section Saint-Marc côté que bandi sa yo crasé caille yo brûlé et yo arraché jardin paysan dans zone si là habitants yo mandé avec l'état pour l'état pour responsabilité li dans dossier ça. Nous gagne d'autre part bandi base crasé barrière yo côté que nous connaît éviter l'homme innocent à diriger qui est arrivé attaquer et mettait du feu dans la nuit vendredi 9 pour arriver 10 juin 2023 là ancien président Sénat qui s'école Murat Cantave dans tabac 70. Et bien ce sénateur l'en rivé échappé pour lui grâce avec vigilance la police avec yon blindé qui était sous place bandi yo rivé pote aller deux machines qui étaient dans espace là. Madame monsieur, laissez-moi vous dire que du notre part gagne un gouvernement qui vraiment gagne en occasion quand elle annoncé oui. Li pral fè yon passe men nan gouvernement et majorité agent intérimè yo pral perdi job yo d'après premier ministre Ariel Henry. Genye organisation Nations Unies ONU ki li même appuyé accord 21 décembre comme base pour rive nan élection et c'est bien sûr représentant l'ONU en Haïti hein, Maria Isabel Salvador qui annonce nouvelle ça hier. Eh bien, d'après Madame Salvador, accord 21 décembre, nan réunion la tri organisation ak structure nan 10 départements pays, nous gen plusieurs dizaines militants tout qui te paké au devant résidence officielle premier ministre Ariel Henry nan cadre yon sitting qui te déroulé avant hier. Eh bien, objectif mouvement si la, c'était pour dénoncer sécurité généralisée, insécurité généralisée qui a fait rage dans le pays depuis un bon bout de temps. Nous gagnons tout coordonnateur général UNOA, Josué Mérilien, qui lui-même te critiqué comportement et policier et du polio, ensemble avec sécurité lycée Antenor Firmé, qui empêchait que responsable dans UNO et organisé un porte l'ouvrir qui était prévu organiser. Donc, mesdames, messieurs, l'école publique, dans le pays d'Haïti, situation exagérée, bien, syndicalistes ont profité, accusé tout, ministre de l'éducation, qui s'est Nesmi Maniga, dans le dossier SILA. Nous gagnons enseignants dans l'île de la Gonavio, eux-mêmes, d'une autre part, qui choisit prendre une trêve, et trêve ça, ils prennent un mouvement enseignant, pour élèves, capables de vivre bouclé, à l'école. C'est coordonnateur regroupement enseignant, l'île de la Gonavio, Rosemé Ulrich, qui eux-mêmes, t'a fait annoncer ça. N'a pas fort qu'on est que dans le journal aujourd'hui, hein, c'est grand point ça. Nous va gagner pour nous capables de dérouler pour le journal ça. Cependant, il fait qu'on est que septembre qui vient là pour prendre place yo, pour forcer responsable dans le ministère national satisfait revendication enseignant. N'a pas encore de pause, n'a pas tourné tout de suite après. Eh bien, bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue. Jean, ça t'est annoncé hier. C'était bien sûr déroulement sommet CARICOM. Nous connaissons que l'Itagé pour le démarrer dans le pays Jamaïque est bien fait. Premier ministre Ariel Henry te prend la parole dans l'occasion ça. Côté que lui humilié différents acteurs qui prennent pas en compte ça. Parce que lui te font qu'aucune chaîne déclaration pour dire qu'il n'est pas venu négocier un nouvel accord politique lui-même. Il n'est pas venu négocier un nouvel accord politique. Et bien, chef gouvernement. Gouvernement a choisi de quitter la discussion sans pas attendre des propositions sur la crise de l'autre acteur et a annoncé que il pourrait faire un gros passement dans le gouvernement. Eh bien, mesdames, messieurs, Ariel Henry, qui est premier ministre du pays d'Haïti, rentre tout la Kaeli et 9 juin, 24 heures de temps après participation dans le sommet États-Unis, CARICOM, à la République dominicaine, qui était déroulé dans le pays Bahamas. Eh bien, c'était dans l'idée pour être capable de renforcer les relations entre Haïti et le pays CARICOM.
problème énergie d'une autre part, modalité mobilisation bon côté barrière multinational yo, changement climatique et bien trafic zam, ça yo c'est quelques parmi points qui étaient sous table discussion yo d'après premier ministre Ariel Henry dans un point de presse que il était rivé bay dans salon diplomatique là. Chef gouvernement a annoncé que États-Unis prend décision là pour plonger loi Hope Help là et qu'il est même ta supposé bout en 2025. C'est bien sûr une bonne nouvelle pour le secteur textile qui a contribué à la création en plus de travail en deux pays d'après à la tête pour Mathieu qui lui-même a annoncé en même temps tout une aide supplémentaire de 53,7 millions de dollars pour être capable de porter une réponse à la crise humanitaire que pays d'Haïti a fait face actuellement. Ma invité au Kounia même en attendant le Premier ministre Ariel Henry pour plus de détails. La situation qui prolonge chez nous continue à être une préoccupation pour nous. Les États-Unis demeurent engagés à nous projeter dans la recherche d'un appui pour la PNH. Ils veulent plus de coordination entre les bailleurs. La Jamaïque a réaffirmé sa volonté de participer à une force spéciale multinationale. Dans le cadre des discussions qui se poursuivent pour le déploiement de cette force multinationale, j'ai, avec l'aval du gouvernement et du Haut Conseil de la Transition, et après concertation avec certains partenaires, adressé une correspondance au secrétaire général des Nations Unies pour réitérer notre demande produite en octobre dernier. Je continue les contacts au niveau international sur la question, car le rétablissement d'un climat sécuritaire demeure une urgence et un impératif si nous voulons aller aux élections et si nous voulons vivre normalement sur notre territoire. L'initiative de la CARICOM d'inviter à la Jamaïque des acteurs haïtiens qui, pour diverses raisons, n'arrivent pas à se parler ici en Haïti a été évoquée. Je vous annonce que dimanche prochain, je répondrai à l'invitation du Premier ministre des Bahamas qui préside la CARICOM parce que je demeure un homme de dialogue. Toujours prêt à parler avec les compatriotes de bonne volonté pour trouver des solutions durables aux crises que connaît notre pays. Entre-temps, le gouvernement, avec l'accompagnement de nos partenaires internationaux, fait de son mieux pour apporter du secours aux victimes des dernières inondations. J'ai quitté Port-au-Prince hier pour participer au sommet États-Unis-CARICOM plus la République. L'an dernier, nous étions à Los Angeles avec le président Biden et les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM et de la République dominicaine. Cette année, les États-Unis étaient représentés par la vice-présidente Kamala Harris. Mon gouvernement a fait le choix de renforcer nos relations avec les pays de la CARICOM et nous coopérons avec eux dans les organisations internationales. Nos pays sont de taille différente, mais nous faisons face à des problèmes similaires et nous devons parler ensemble au niveau international si nous voulons faire entendre notre voix. Négocier séparément avec les grandes puissances et les organisations internationales ou régionales a forcément moins d'impact que quand nous le faisons ensemble. Nous avons parfois des intérêts divergents, mais dès qu'il s'agit de cyclones, de la montée au niveau des océans, de la pollution, de la prolifération des algues comme les sargasses, du trafic illégal d'armes à feu, de la dépendance énergétique, des contraintes des institutions internationales, et j'en passe, nous sommes ici à la même. À l'occasion de ce sommet, les discussions étaient franches et les problèmes ont été posés sans détour. Les questions sur l'énergie, sur les modalités de la mobilisation des fonds auprès des bailleurs de fonds multilatéraux, des questions climatiques, du trafic d'armes, de la sécurité alimentaire. Pour ce qui concerne notre pays, les participants ont montré de l'empathie par rapport aux victimes des récentes inondations et manifesté leur volonté de leur venir en aide. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de prolonger la loi Hope Help qui devait prendre fin en 2025. C'est une bonne nouvelle pour ce secteur textile-là qui est créé en ville. Ils ont annoncé aussi une aide supplémentaire de 53,7 millions de dollars en réponse à la crise humanitaire, toujours à travers l'USAID
6,5 millions seront consacrés pour l'agriculture et l'élevage. Et voilà, c'est comme ça l'information a déroulé dans le pays. Nous avons Maria Isabel Salvador, qui est représentant secrétaire général des Nations Unies, côté que l'État exprime préoccupation par rapport avec le phénomène insécurité qui vraiment a détérioré dans le pays d'Haïti. Phénomène ça, c'est un phénomène qui a des conséquences sur la population et ainsi que l'économie pays, d'après chef Binuyan, qui lui-même a renouvelé l'engagement de l'ONU pour soutenir la police nationale pour capable de résoudre le problème d'insécurité. Maria Salvador, Tenamicro. La situation sécuritaire en général est toujours très, très critique à Port-au-Prince, en particulier, comme vous le savez très bien, mieux que moi. Cette situation a un impact dévastateur sur la population haïtienne, mais aussi sur l'économie du pays et en tant que Nations Unies, sur notre capacité aussi d'intervenir et de venir en aide aux communautés qui ont le plus besoin. C'est pourquoi pour nous, l'amélioration de la situation sécuritaire est vraiment une de nos premières priorités. Il faut aussi reconnaître qu'il y a eu des avancées récemment au sujet de la sécurité. Comme vous savez, la police nationale a décidé de se doter d'un système permanent de vetting qui a été annoncé le 1er juin dernier. Et ce système va permettre à la police nationale haïtienne d'améliorer la confiance que la population a dans l'institution. D'autre part, je pense que c'est important aussi de soulever l'importance du recrutement de la 33e promotion de la police nationale haïtienne qui est également prévue de commencer ce dimanche, donc après-demain. Et nous allons, en tant que Nations Unies et BINU, continuer à soutenir la police nationale qui a bien sûr un rôle primordial, un rôle central à jouer pour amener le calme et la confiance dans le pays petit à petit. Nous gagnons d'une autre part, toujours Maria Salvador, chef BINU haïtien, qui engage pour capable aider le gouvernement dans le processus électoral. C'est une façon pour mettre le pays sur route démocratie. Cependant, il reconnaît que l'élection n'est pas capable de réaliser dans le climat d'insécurité qui est instauré dans le pays. Il était encouragé le gouvernement pour être capable de résoudre le problème d'insécurité et puis mettre campé tout conseil électoral provisoire. Yon façon pour processus électoral capable de démarrer. Maria Isabel Salvador, Tenamicro. On n'est pas en capacité de définir des dates. Et ça, c'est aux Haïtiens de le faire. Nous, on accompagne, on conseille, on essaye d'aider le gouvernement et donc le Haut Conseil de transition pour avancer le plus rapidement possible vers ces élections. Mais il faut être clair. On ne peut pas aller aux élections si on n'a pas un minimum de sécurité, parce que sinon, on pourra toujours réclamer, n'est-ce pas, que ça n'a pas été transparent, que le vote n'a pas été 100%, pas 100%, on n'a toujours pas 100% de participation, mais le nombre, le pourcentage de participation a été trop bas, donc il y aura toujours des questionnements, et ça finalement, fait qu'on reste dans le cercle vicieux de la situation des crises politiques, n'est-ce pas? Donc, pour être capable, c'est mon espoir, hein, c'est pas que moi, je détermine ça, non, ça, c'est pas le rôle du BINU ni de moi en tant que représentant du secrétaire général. Mais mon espoir serait que ces élections permettent d'établir les bases fondamentales pour le renforcement ou le rétablissement plein de la démocratie en Haïti. Et pour arriver à ça, il faut absolument garantir un minimum de sécurité. Ça me revient un peu à la force internationale de police, n'est-ce pas? J'aimerais bien que cette force arrive, qu'on établisse un minimum de sécurité et tout de suite après, les élections se tiennent, n'est-ce pas? Donc, Si vous voulez m'entendre dire oui, il faut d'abord la sécurité, peut-être. Notre rôle n'est pas de déterminer des calendriers, et ça, c'est la décision des autorités d'Haïti. C'est pour ça que c'est très important l'établissement du CEP, n'est-ce pas?
Parce que c'est le CEP, c'est le conseiller électoral provisoire, n'est-ce pas? Ce conseiller électoral provisoire, une fois établi, doit se mettre tout de suite, après, à établir justement les calendriers électoraux, par exemple. Nous, on ne peut pas le dire. Ça ne dépend pas. Ce n'est pas notre rôle. Ça, c'est une décision des autorités haïtiennes. Tant que le CEP n'est pas établi, ça traîne. Non? Donc, c'est pour ça que moi, j'insiste sur le fait et on conseille le gouvernement d'avancer plus rapidement là-dessus, établir le plus vite possible le CEP. Et à ce moment-là, le calendrier électoral démarre, effectivement. Tant que le CEP n'est pas établi, on continue un peu dans des discussions inutiles, si on veut. Toujours représentant l'ONU hein, dans le pays d'Haïti, Nayon raconte avec la presse, il était fini par déclarer que l'ONU appuie 21 décembre, l'accord 21 décembre, bien sûr, comme base pour arriver dans l'élection. D'après Mme Salvador, l'accord SILA, il réunit un latrier organisation ak striti politique dans 10 départements paysans. Ma invite au côté Maria Isabelle Salvador dans micro. Nos efforts viennent en appui aux objectifs de développement d'Haïti et sont intégrés, et c'est pour ça le nom de notre bureau, intégrés avec les 19 agences, fonds et programmes des Nations Unies et dans le pays, qui fournissent une aide humanitaire et mettent en œuvre le programme de développement sous le leadership des autorités nationales et toujours avec consultation, en consultation avec eux. Maintenant, je voudrais rapidement réitérer aussi l'importance, le consensus dans le processus politique haïtien A et pour arriver bientôt, on espère, aux élections apaisées. Et ça, dès que les conditions de sécurité le permettront. Moi, personnellement, je suis pleinement déterminée à utiliser mon rôle et la capacité des bons offices pour encourager les parties prenantes haïtiennes à surmonter leurs différences et à rejoindre le processus politique actuel pour la restauration des institutions démocratiques. Finalement, mais il faut le dire, les décisions correspondent exclusivement aux Haïtiens et en général au peuple haïtien et à ses autorités. Je voudrais souligner aujourd'hui aussi la participation de plus de 350 représentants des signataires et des non-signataires de l'accord du 21 décembre et la présence de plus de 40 leaders de la société civile et des communautés de l'ensemble des 10 départements qui semblent générer un nouvel élan dans la mise en œuvre de cet accord du 21 décembre et qui a été le résultat de ce table ronde organisée le 23 et 24. Je pense qu'il faut absolument continuer sur cet élan et continuer à travailler pour obtenir un consensus où chacun se sente représenté et écouté. Je voudrais finalement aussi exprimer ma volonté de devenir une espèce de messagère, si vous voulez, du peuple haïtien vis-à-vis de la communauté internationale et pour transmettre la voix du peuple haïtien au monde et que le monde continue et renforce son appui au peuple haïtien. Eh bien oui, nous avons Junior Bastien qui s'est sur non, il y a un présumé bandit, membre ISO 5 secondes qui vient arrestation vendredi soir là dans Port Salut dans la localité Baboua dans cadre d'une opération que la police sud t'a mené et la justice t'a cherché présumé bandit ça pour présumé implication dans divers actes malhonnêtes tako kidnapping, assassinat, vol et association malfaitée. Nous gagnons tout. D'une autre part, Bandi Axam qui voulait prendre contrôle à pile côté dans la Tibonite là. Et c'est bien sûr K, 4e section ville Saint-Marc, côté que Bandi yo krasé kay, yo boulé, yo raché jardin paysan qui a vivre dans zone si la. Citoyens yo lancé un appel ba autorité yo pour capable agir pressé pour éviter que pita tapitrice. Daniel Daniel depuis Saint-Marc pour plus de détails. Negexam Kaptaï Banda tout partout dans le département de la Tibonite là continue à acheter diverses zones l'argent comptant
engagé autorité, la justice et la police dans niveau Saint-Marc. C'est capable pour 4e section route Saint-Marc. Depuis un certain temps, les gros armes ont opéré dans la zone ça. Fait citoyens qui vivent dans la zone là, courir quitter Kayo, jardin pour une cité ça yo seulement. Il y a un commissaire qui rete ve note qui derrière yo. Nèg yo monté avec gros armes fois 3h du matin, nèg yo y a kembe moun. Y a kembe moun, mette moun couché, rale zam, mette manchette dans kou moun. Et nèg yo coupé mes jardin non, pas bon ici. Nèg yo coupé mes jardin non. Et malgré nous prend nous n'a chercher concours la justice et nous nèg yo gen justice nan men yo parce que Dieu seul lui même lui dit comme ça s'il veut faire ici même ça vient li gen possibilité pour le faire parce qu'il gen zam et ça dit moun veut notre tande et nèg yo et par rapport avec yon constat nous fait li gen sacré le blondine nan avec Cardonel et puis Alix nèg yo dit comme ça depuis sous constat yo gen gen constat nan men yo parce que yo dit comme ça c'est juge là lui-même lui dit c'est cobli l'a vinn fait et yo gen commissaire gouvernement c'est dans dos c'est Dieu seul qui dans dol et Dieu seul dit lui-même li gen justice Saint-Marc là nan men li ka fait ça vle ka fait ça puis plutôt nous même n'a demandé secours avec justice là bien que nous connaît nous tout côté et gen gang armé ou Saint-Marc pour gen gang armé n'a demandé la justice est-ce que y a quitté Route Saint-Marc est arrivé dans niveau ça vient avant pour faire un coup de pied sur Route Saint-Marc. Divers citoyens qui parlaient dans micro à LN TV dénonçaient autorité la justice dans Saint-Marc. Ils ont dit qu'ils pas fait rien pour freiner les gros âmes qui voulaient acheter l'argent en main zone 4e section. Rappelez le phénomène d'insécurité a continué à avoir un gros impact sur les citoyens qui vivent tout partout dans le département de la Tibonite. Côté Mounsayo, quitte Kayo, Jardin pour établir quartier général, dans pile l'autre commune dans le département, Takou Gonaïve, Lester et Saint-Marc. Citoyens Sayo qui sont obligés de quitter l'école, travail, jardin, pour ne citer Sayo seulement, a couru pour ne pas examiner Captaï Banda dans le département. Information yo pas suspend, nous gagnons deux présumés bandits qui fait partie de base 5 secondes là qui perdit la vie en bas coûte roche à coûte machette en bas main population Caïman yon localité dans 3e section communale Chantal. Eh bien action ça li rivé après que bandi yo té fin touye yon paysan sa pote nan Rodrigue et yo tué la coûte pique pendant le tapralé nan jardin. Et d'après madame victime nan qui était vraiment inconsolable, nous pral invite au côté madame ça nan micro Jean-Vanel Solinman nan métropole sud pays a Mokria. Mhm. Les sur la marché ya yeah. Madame, comment allez-vous? Amen. T'amène qui ça? Choisi. Ça aide où? Oui, c'est même pas papa. C'est même pas papa. Oui. Je dis à qui va me taper pour là? Saint-Marc. Qui va dans Saint-Marc là? Bon, il est sur votre compte là, bon marché. Ça t'a fait dans le marché là? Bon, il est bon. Montre-moi ça, il est bon. Ça, comment est-ce que ça? 10 dollars. Bon ça aussi dit là. Ya. Quoi c'est crié? Quoi c'est père? Et aussi c'est dédé. Est-ce qu'on tout ça dédé a fait au pays là? On connaît. Vous connaît. Depuis qu'il est ça vient? Depuis octobre. Octobre dès qu'il est? 25 octobre, je gros mais. Nous dans ça vient. Oui. Je me dans ça vient. Oui, dit ça vient. Bon allez ça depuis là ça m'a lié en coup. Même jour m'a lié en coup après ça en décembre. Je suis en Saint-Marc. Oui. Ok. Je vous dis à vous même, ma chaché ou? Vous avez ma chaché ou? Peut-être Dédé. Ok, pour Dédé. Ma chaché pour Dédé? Oui. Pour monter dans le et pas un plus bon, et pas faire action. Mais nous ne venir pour même bagaille. Nous venons développer une nation, un paysan. C'est pour vous-même, qui vient ça. Vous avez tout sale, tout sale.
c'est travail, travail la terre. M'a pas un monde tant cou. Maman, c'est madame Sarah dit. M'a pas un monde tant cou mal passo dans face de dé. M'a pas besoin de monde sans âme et mon âme même besoin. C'est mon qui fait ma bien en besoin. OK? Moi te mettre tout cou à l'aise sur la caillou. Accès mon bon c'est Mac. Ou dis ça ou acheter crédit pour vendre. C'est 300 dollars, me fait 60 dollars sur lui. Gagne la même journée, on pas fin. Moi j'ai 300 dollars. 60 dollars. J'ai 300 dollars. Oui. On fait 60 dollars sur lui. Oui, gagne la même journée, on pas fin vendre les matchs. Pas beau pour me faire 60 dollars sur lui. En bien qui, moi relax. Accès moi. Ou calme, ou côté bouya. Mais je te sais aider. J'ai un gars aider au monde. A fait moi une gamine. Mais là, j'aime bien. Je vais aider tout le monde. Mais je vais aider toujours si les deux. D'accord? Je vais aider Abdou. Et vous, non, venez. Je vais venir avec vous. Je vais venir avec vous. Je vais venir. Si la tête à bail, autorité, tu es d'accord? C'est comme ça l'information a déroulé. D'une autre part, nous avons bandit base, crasé barrière, vite l'homme innocent dirigé, qui a même été attaqué, puis mettait du fin dans la nuit 9 juin 2023. Eh bien, résidence privée, ancien président Sénat, qui c'est Karl Murat Cantave, notable 70, ancien sénateur, là, l'irrivé chapé pour lui, grâce avec vigilance, la police, et puis Yon Blende qui était sous place, bandit arrivé pour te aller. De machines qui étaient dans l'espace là et c'est raison ça n'a pas invité au suivre Kounia qui j'en s'attaye. Oh bon bat qui arrive tout là. Ah oh, ben oui, chalet a pas pour nous. On va même besoin monter même. Faut que chalet a dégagé même. Allez arrête un pile. On va pas essayer non même. Ça a dit que vous devez me lever la bagarre, janvier. Et tout côté nous la guet de l'honnête pour différer ça tout ça nous est là c'est bas là et la fille qui là est pas vraiment différé. La fille est comme ça. Ma pauvre PCL pour la fumée arrive à clé. Aïe, tout en dedans. Exactement, j'en souhaite garder lancé comme ça. Nous avons tout Kirby, alias Amawil, qui est un chef rebelle, qui tombe tout dans l'échange de tir avec la police dans le département nord-ouest pays. Action ça, il passe dans la zone La Tendrie, une localité qui chita colline dans la ville Port de Paix. La police a cherché le coucher fou, il a accusé comme monde qui t'a impliqué dans divers actes. Viol, vol, braquage et la trier. Jameson Petit depuis Port de Paix, Capdine plus sur ça. Dans le cadre d'opération agent PNH, pendant le week-end, Rive mette main sous Kirby alias Amawil, yon bandit nos trois qui ont diverses accusations sous Doli, tant que braquage, viol, vol à Miami, etc. Cependant, Amawil lui-même l'étape prend plaisir dans un petit match football qui est organisé dans la zone La Tendrie, une localité dans la ville Port de Paix, yon coup de douette arrivé fait sous chef rebelle côté agent PNH qui a cherché l'état couché en foot ou profiter occasion poser la patte sous lit sa mandel de qui prévient de qui manigance à Amawil recevoir diverses cartouches côté pour qu'on a parlé à la li a fait connaissance avec Maître Baron. Yon l'autre bord, la justice avec la police dans la ville Port de Paix mandé pour bandi yo chercher un autre travail pour faire si nous gagne un seul choix c'est aller tout droit devant Maître Baron. L'important pour nous faire connaître malgré tout travail PNH a fait dans le département de l'Ouest là, gen diverses zones qui en pile monde considéré tant que zone accès difficile côté la police là pas présent du tout et puis bandi a fait ça au vle. Département Nord-Ouest, ville Port de Paix, Jepson Petit, Tax 509.
Et voilà, c'est comme ça tout. Nous gagnons responsable dans la direction départementale police Niplan qui annonce une série d'activités que vous gagner pour organiser dans l'occasion 28e anniversaire police dans le département. Directeur départemental police, ensemble avec Selmon, vous reconnaître que Anessa, police la victime en pile, mais ça n'a pas empêché que vous continuez de travailler pour remplir la mission avec Sen Selmon Tenamiko. Responsable nous, correspondant nous, Anne-Claude Clercin depuis Miragouane. Fait la police là, 28 ans, depuis qu'elle prend naissance sur le territoire haïtien. La police là sorti loin, pour le river, côté le river là, je dis. Hein. Mais quand bien même, avec le temps, on doit porter, souffler des innovations. Donc nous pensons réunir une quantité de monde, réunir les policiers, pour nous venir parler de sécurité, pour nous venir parler de comment en plus le monde ou la police là, parce que c'est une nécessité en prélude avec 28e anniversaire police là, pour nous réunir avec Mounsayo et pour nous être capables de faire brasser l'idée. Et ça va permettre que les policiers eux-mêmes édifiés, en pile monde qui là, étudiants, élèves, te ka konnen tout en pile histoire dans la police là et comment la police là lui-même la fonctionne. Et pour année ça, c'est un petit peu différent par rapport de l'autre année. Vu conjoncture pays, nous connaissons que année ça la police là prend un pile coup. Mais en dépit de tout, la résister, en dépit de tout, la bataille et victoire, c'est pour le monde qui a bataille. Deuxièmement, nous avons dit, par rapport avec l'intempérie qui s'est passée dans le pays, par rapport avec un cyclone 5.5 qui s'est passé dans le Grand Sud, là, donc, tremblement de terre, excusez-nous, ça devait nous mettre dans une situation pour nous pas aller écouter, nous n'avons pas arriver. Mais quand bien même, nous pas voulons passer la date de la police sous silence, nous avons choisi, premièrement, faire conférence de bazar pour les policiers, pour les élèves, pour les étudiants, pour la population. Deuxièmement, nous avons gagné lundi matin une messe d'action de grâce qui a chanté dans l'église Saint-Jean-Baptiste au niveau de Miragouane. Dans l'après-midi, nous avons un match de football. J'espère que la presse ne va pas quitter me battre. Parce que la police avec la presse qui l'a joué. Et dans l'après-midi, nous avons réuni au niveau des directions départementales, là, disons, sous la co-direction départementale. Là. Et puis, pour nous capables d'essayer de faire des échanges, by blague, parler ensemble. Et si nous sommes capables de faire un partage que nous avons fait, nous avons fait ensemble. Dans l'esprit de fraternité. C'est comme ça l'information qui a déroulé. Nous gagnons tout. Initiative syndicat national policier haïtien, SINAPOHA, qui lui-même joue une collecte de sang ça qui a été réalisée dans le commissariat Delma 33, une collecte de sang, côté que dans la veille commémoration 28e anniversaire police d'Haïtien de juin 2023 qui va venir là, il va célébrer le sous-thème en continué pour te coller pour sécurité à Capablai. Et objectif initiative ça, c'est permettre que yo rive réduit vulnérabilité policier si en cas où yo ta victime soit par accident ou bien par balle. Commissaire d'histoire IRS qui lui-même c'est responsable juridiction Delma, yo nan donneur sans yo encourager policier yo et chaque institution en soi fait même geste là pour permettre que sans transfusion sanguine nan ta gagne une quantité sang pour sauver moun qui gagne difficulté pour joindre sang. Et oui, sous Bopa Lionel Lazare, nous connaissons le coordonnateur général syndicat national policier haïtien, il a montré que la nécessité qui gagne pour chaque citoyen t'a sauvé une vie à travers GESA. Responsable SINAPOHA, t'es profité annoncer un projet côté que PNH là et puis base dont sang yo qui réservé pour policiers national transfusion sanguine. Lionel Lazare t'es invité policier yo
pour faire preuve de bonne volonté pour faciliter la réalisation du projet. Cela. Et voilà, nous avons toutes deux jeunes filles qui ont perdu la vie dans un accident de circulation sur tronçon route de Port-le-Père dans le bassin bleu, jour qui était 10 juin 2023. L'accident s'est arrivé fait dans le moment que vous étiez sur une motocyclette, vous avez sorti acheter rad pour aller à la funéraire de tonton. Nous avons invité autant de Jepson Petit pour plus de détails. C'est comme ça l'information a déroulé. Donc, nous gagnons tout d'une autre part. Président coordination. Oh, blanche. Quantité accident yo a réellement augmenté dans le dernier jour sa yo sous ton son route pour des paix pour entrer Gonaïvlan. Stanley Axonley, c'est nos deux jeunes garçons bien jam qui avaient perdu la vie yo journée samedi 10 juin 2023 dans un terrible accident motocyclette pendant un tap sorti pour des paix pour entrer bassin blé. Information qui avait joué un taxe 609 ta fait croire des petits messieurs sa yo qui étaient sous motocyclette consa yo à l'entrée dans un mirail tout près zone naosier sous ton son route pour des paix bassin Blayan, qui donc nan moment n'a parlé à la, yon nan jeune garçon sa yo ta moui sou place et l'autre la ta perdu la vie li nan manev yo ta fait pour retourner avec li pour de paix pour venir prendre mosso la soigne et l'hôpital. Stanley Axon Lay te sous motocyclette yo te acheté rad pour te vin al nan enterrement tonton yo. D'après information que famille ta confié tak 609 pour moment ça des jeunes garçons sa yo qui nan mog plongé communauté bassin bleya en parfaite désolation sans compter famille qui pa connaît qui c'est pour reler depuis bassin blé commune Port de Paix Jepson Petit tak 509. C'est comme ça l'information a déroulé dans le pays d'Haïti là, nous gagnons tout. D'une autre part, président coordination Kazek commune Arcayer, Jean Monarch Innocent, qui lui-même dénoncé que le gouvernement Ariel Henry traité Kazek yo en parent pauvre Kazek section Fond Baptiste là, fait qu'on est que yo gagné presque 3 années depuis yo pas recevoir yon goudesco dans l'état central, sans compter projet Kazek yo qui pas joindre moyen pour réaliser une section communale. Correspondant nous Pascal Fleuristil depuis Akaye pour plus de détails. Président coordination Kazek commune Akaye Jean Monax Innocent dénoncé gozotobrio dans l'état qui blie Kazek yo. Il est local la fait connait. Yo gen presque 3 ans depuis yo pas recevoir un goud lesco dans mes gouvernement. Et en plus tout, Kazek yo pas jambe joindre un projet pour réaliser dans section communale yo. Président en coordination en fait qu'on est, bien que plusieurs interventions président en fédération tout cas et qui ont fait, pouvoir central là par Jean Vouéje Gade yo. Jean Monax déploré comportement premier ministre Ariel Henry qui mettait Kazek yo de yo dans toute décision qu'a prend yo. Puis loin, monsieur Innocent fait qu'on est chef gouvernement pas même quoi si Kazek yo existait. Pendant ce temps, c'est lui-même tout qui ministre intérieur à collectivité territoriale yo. Kazek Fond Baptiste la fait qu'on est, li écrit un pile projet. Malheureusement, instance qui dans l'état yo pas jamais occupé yo. Pendant ce temps, paysans yo même a fait pression sur chaque jour bon Dieu mette. Autorité locale la mandé pouvoir central, voyager garder Kazek yo et puis mettre sécurité dans pays ya. Récolte paysans yo pral bon à cause situation qui sous national là, ça pral la cause machin yo pap ka vin acheter dans les paysans yo et paysans yo non plus pap ka rentrer pour au prince pour vendre produit yo. Ça pral empirer 4 fois plus situation yo qui déjà a vivre dans la misère. N'a fait songer coordination Kazek commune Akaye a gen 6 sections communales qui forment mission yo se travail nan tête collée pour développement toute section communale yo depuis arrondissement Akaye. Pascal Fleuristil tac 509. Et oui, j'en s'entend de lancer comme ça, nous gagnons tout. Gina Delatour qui se dirigeant et yo fait connait que dans programme national cantine scolaire là yo organisé une conférence dans occasion journée mondiale là et bien journée mondiale d'enfance dans l'école nationale Guatemala sous importance vitamine A dans la vie timoun yo. Dans occasion ça Gina Gelet de la Tour te prend engagement pour li capable combattre malnutrition dans pays là. Li te mette accent sur importance vitamine A dans le pays. Gina Gilet de la Tour, Tenamikon, pour plus de détails. On va continuer le travail qui a fait pour que la sensibilisation sur la vitamine A. Parce que selon l'Église, qui fait enquête de mortalité et de morbidité, qui fait état
culturel en Haïti. Et il montre que non, manger Timounio, bien non manger monde en général, c'est un aspect qui permet que nous avons une question de nutrition et dans le pays. Donc ça nous fait que nous fait travail par nous au niveau de PLTS. Parce que nous gagnons deux campagnes pour nous réaliser et pendant l'année sur vitamine A et aussi des parasitages. Et il y a encore données qui sont disponibles que le Dr Maron va parler de sur la nutrition en Haïti qui fait état nutritionnel de Timounio en Haïti. Ça a une beaucoup plus importance encore à l'intervention au niveau de sensibilisation de vitamine A. Il y a la journée de la vitamine A qui est déjà lancée par le ministère de la Santé publique à travers le CPNAMU avec le Dr Maron qui fait nos obligations pour nous mettre main, continuer à mettre main dans la question de sensibilisation de vitamine A et l'école. Yo, c'est un autre côté, non seulement la jeune Timounio, la jeune professeur, la jeune parent. Donc c'est un autre élément clé pour nous dans la sensibilisation. Et c'est ça qui montre et présence nous, qui fait que la présence nous manque de lien dans l'école république, ou à très malin pour être capable de faire activité. Ça ne va pas nous lancer. Et bien dit, on a continué avec l'activité parce que nous avons une journée internationale sinon qui a pris le 2 juin et nous profitons de ce là pour nous faire activité, pour nous faire continuer le travail que nous avons fait. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est comme ça l'information. Il y a un pays, nous disons merci. Le fait côté pour un petit temps pour regarder la vidéo, ça, nous avons fait place tout de suite avec Jonathan Charles pour Science Sport. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la rubrique sportive là, c'est avec serviteur Jonathan Charles. Actualité a, sur le plan local, n'a démarré ensemble avec football dans un communiqué Fédération haïtienne football mettait d'ailleurs hier dimanche 11 juin, sélection haïtienne senior là bon côté monsieur yo cap jouer un match amical jeudi lundi face équipe Saint-Kitts et Nevis là. Match ça programmé à 4h dans l'après-midi. Match sélection était programmé face équipe Inter Miami vendredi 16 juin. Match ça a annulé. Club dans l'État Floride là par email te voyé nouvelle là par entraîneur sélection Gabriel Calderon Pellegrino. Sélection qui continue à préparer un Gold Cup là. Par ailleurs, sélection Saint-Kitts et Nevis là engagé dans barrage pour Gold Cup là. La gue pour jouer vendredi 16 juin qui vini là face à sélection Curaçao. N'a quitté football la sélection bon côté monsieur pour parler football femme. Gagné en Fédération Internationale Football Association, la FIFA lui-même qui était publié classement le bon côté mesdames yo. Et pour le week-end, sélection haïtienne n'a pas ni versé ni fait back tout. Bon côté mesdames, il est toujours 53e mondial avec 1475 points. Il est 7e dans la zone CONCACAF. Si nous essayons de garder le classement dans chaque confédération, dans la zone CONCACAF, nous jouons les États-Unis d'Amérique 2090 points. Et c'est numéro 1 tout dans tout le classement FIFA. Si nous regardons dans la Conmebol, le Brésil gagne 1995 points, le 8e dans le classement général. Dans la zone Union Européenne Football Association UEFA, l'Allemagne gagne 2061 points et c'est numéro 2 dans le classement général FIFA. Pour la Confédération Africaine Football, la CAF, Nigeria gagne 1554,94 points, le 40e dans le classement général. Dans la Confédération Asiatique, la AFC, Australie gagne 1919 points. Pour nous, c'est bizarre que l'Australie lui-même, li nan continent océanien, mais base football, c'est un continent asiatique li affilié. Le 10e dans le classement FIFA tout pour Confédération océanienne, Nouvelle-Zélande gagne 1649,7 points, mais le 26e dans le classement général. On a toujours parlé de football femme, gagne une sélection féminine open senior là qui gagne en tête li. Fiorda Charles qui a dirigé lui-même qui a réduit après liste là à 23 joueuses en garde. Trois gardiennes, c'est Rosemary Joseph, Kimberly Prince, Marcelda Hiller. Défenseur, c'est Myrland Dajan, Marie-Agustina Simon, Estrikov Joseph. Fabiola Saint-Fleur, Marilyn Guerrier, Jenny Flor Demarat, Rastali Ousseyan, Verlaine Estimé. Mité terrien gain, Karine Jean, Gaël Dumas, Myrlène Dorsey, Widmilia Pierre-Alcide, Rose-Caroline Xavier, Nadine Millien. Attaquant, c'est Christelle Calix, Lugina Etienne,
Pierre-Lyne Nazon, Wikindel Jeffranel, Widlin Charles, ensemble avec Gerline Guerrier. Yon prélis kap gen pou redu ak 20. Sélection haïtienne Open nan kap prepare sérieusement 24e édition Jeux d'Amérique du Nord Central et des Caraïbes. La page internationale la, pre week-end nan, précisément samedi qui était 10 juin, Ligue des Champions, finale 68e édition 1, il était opposé Manchester City face à l'équipe Inter de Milan. Match la qui était joué dans le stade Atatürk la, qui a une capacité 75 145 places. C'est un clair qui a imposé un goal à 0 avec un milieu terrain espagnol là, Rodrigo Hernandez Cascante. Je fais goal là dans 68e minute de jeu après une attaque Manchester City tap mené sous côté droite là avec Bernardo Silva et un rebond on a dit Rodrigo était jeune après un mauvais renvoi dans défense équipe Inter de Milan. Monsieur Pinto, belle frappe du pied plat du pied droit. Et ballon qui t'a de Domeya dans premier poteau. André Onana, lui-même qui pas de cafanier, mais il faut que nous signalons tout. Monsieur, il y a deux joueurs et intéressants qui étaient vraiment gardien de Jean Baril. Il n'est pas capable de faire rien. Gringol, ça lui-même, il était tout rété collé. Sky Blue a remporté premier final Ligue des Champions dans l'histoire. Et aussi, deuxième équipe qui réalisait fait tripler, s'il vous plaît. L'un par les triplés, c'est leur remporté Coupe nationale Lacayou. Championnat Lacayou, ensemble avec Ligue des Champions. Ouais. Si Dizenio fait ça, il a remporté Coupe d'Angleterre là. Il a été battu Manchester United dans la finale 2-1. Il a été remporté Première Ligue là, Roulemé. Et là, pour Ligue des Champions, ouais, il a remporté le côté de battre Inter de Milan en finale. Première équipe en Angleterre qui a fait ça, c'est Manchester United qui a fait l'année 1999. Il a été pour FA Cup. Il a été pour Championnat d'Angleterre là, que c'est Première Ligue avec Ligue des Champions. Et ça, c'est sûr, Alex Ferguson, lui-même qui était en tête équipe Manchester United. Là. Il y a un entraîneur espagnol là, Josep Pep Sarri Guardiola, qui est venu premier entraîneur dans l'histoire, qui fait deux triplés avec deux clubs différents, s'il vous plaît. Dans l'année 2009, monsieur était fait triplé avec Barcelone, puis était pris Liga, il était pris Coupe du Roi, ensemble avec Ligue des Champions. Ouais. Et là, pour 2023, monsieur qui fait triplé avec Manchester City, Pep Guardiola a remporté troisième Ligue des Champions dans l'histoire comme entraîneur, deux avec Barcelone, 2009 et 2011, et 2023 avec Manchester City. Michel lui-même qui a remporté 35e trophée dans la carrière comme entraîneur, l'égalé entraîneur roumain, Mircea Lucescu, actuellement qui a 77 ans, qui prend 37 trophées, et le Poco Guichet pour le prendre Ligue des Champions. Actuellement, Michel a entraîné Dynamo Kiev, l'une tête club ukrainien depuis 2020. Pour l'équipe Inter de Milan, il a perdu 3e finale Ligue des Champions dans l'histoire. Il a perdu 1967, 1972, avec 2023. C'est une saison 2022-2023 qui part bon pour le club italien. Dans trois finales européennes, il y a perdu la finale Ligue Europa côté AS Roma représenté au FC Sevilla battu dans chute pénalité. Dans l'Europa League Conférence, et Fiorentina lui-même a joué finale avec l'équipe de West Ham United qui a battu 2-1. Et anyway, là, dans la Ligue des Champions, Inter de Milan tombé face à Manchester City, l'Angleterre qui fait décabès sous club italien. Là, pour qu'on ait gagné champion du monde argentin, Julian Alvarez, qui a 23 ans, il est venu 11e joueur qui a remporté Ligue des Champions 1 à Coupe du monde là, dans une seule saison. Il y a 6 Allemands qui ont fait ça. Dans l'année 1974, M. Sao dans Bayern Munich ensemble avec la République fédérale d'Allemagne. En garde, c'est goalkeeper Sepp Maier, il y a Paul Breitner, il y a Hans-Georg Scharzenberg, il y a Franz Beckenbauer, Gerd Müller avec Uli Hoeness, Jean-Claude Tédien, joué ça dans l'année 1974, des champions Ligue des Champions avec Bayern Munich et remporté Coupe du Monde 1974 là, avec République fédérale d'Allemagne ou soit Allemagne de l'Ouest. Donc on est après la Deuxième Guerre mondiale là, l'Allemagne était divisée en deux, où était jeune Allemagne de l'Ouest ensemble avec Allemagne de l'Est. RFA c'était Allemagne de l'Ouest, RDA c'était Allemagne de l'Est. Dans l'année 1998, il y a un Français Christian Carambeu, monsieur était pris Ligue des Champions avec Real Madrid, il était pris Coupe du Monde là avec sélection française là. Dans l'année 2002, le déjoint l'homme et coup franc Roberto Carlos, j'étais pris Ligue des Champions avec l'équipe Real Madrid là, il a remporté Coupe du Monde là avec Brésil. 2014, nous déjoint Samir Khedira, champion du monde avec Allemagne, prend Ligue des Champions avec Real Madrid. 2018, Raphaël Varane, champion du monde avec la France, il a pris Ligue des Champions avec Real Madrid. Le dernier récipiendaire là, c'est Julian Alvarez. Union Européenne Football Association qui a profité de voir les meilleurs joueurs de compétition. C'est milieu terrain espagnol là, Rodrigo Hernandez Cascante, c'est monsieur qui finit meilleur joueur Ligue des Champions.
yon titre individuel qui fait un pile parler en pile comme le monde qui dit pour que ça c'est pas Kevin De Bruyne qui meilleur passeur compétition ça avec 7 passes goal qui était doué prend 19 que ça mais il y a pile scandale tout fait il y a monde qui dit par rapport c'est ensemble et Erling Haaland qui était de prendre le même qui finit meilleur buteur compétition ça n'a bien ça meilleur jeune joueur c'est Kevicha Kvaratskhelia qui sont joueurs de la jeune équipe napolitaine. Mais meilleur 11 Ligue des Champions, dans le goal, c'est Thibaut Courtois, en pile palais, en pile, fait sous bagaille ça. La défense centrale, où je suis Bastoni, capitaine Inter de Milan, Romain Jazz, capitaine Manchester City, qui sont anglais, Bastoni, le même lycée italien. Latéral gauche, Federico Di Marco, joueur Inter de Milan, italien. Latéral droite, Kyle Walker, joueur Manchester City, ils sont anglais. Yon mette terrain 3, à côté qui gagne 3, joueur Manchester City, John Stones, anglais, Rodrigo Hernandez, espagnol, Kevin De Bruyne, lui-même qui c'est yon belge. Yon attaque qui compose 3 moun, Vinicius, José Paxiao Junior, brésilien, Real Madrid, et les droits Bernardo Silva, lui-même qui sont portugais, et puis avant cette lapage, doute dans ça, Erling Blue Allen, lui-même qui a fini meilleur buteur. Il y a 11 qui gagne 7 joueurs Manchester City, 2 joueurs Real Madrid ensemble avec 2 joueurs Inter de Milan. Si nous regardons Erling Haaland fini meilleur buteur en compétition, 12 goals dans 11 matchs, Kevin De Bruyne fini meilleur passeur, 7 passes goals dans 10 matchs, André Onana noué monsieur dans 13 matchs, il joue dans Ligue des Champions, gagne 8 li pas prendre goal s'il vous plaît, mais nous c'est pas lui même qui dans meilleur 11 Ligue des Champions. Meilleur attaque là c'est Manchester City, lui même qui fait 32 goals dans 13 match s'il vous plaît. N'a quitté football nous parler kounya nan tennis pour nous parler finale international France de tennis là qui a été joué hier dimanche là dans stade Roland Garros là. Bon côté monsieur yo Serbla Novak Djokovic monsieur bat norvégien Casper Ruud 3-7-0 premier set là t'est fini 7-6 tie break 7-5 deuxième set là t'est fini 6-3 et troisième set là Djokovic t'est posé 7-5 numéro 3 mondial l'a remporté 23e grand chelem dans l'histoire s'il vous plaît 10 Open d'Australie 7 Wimbledon 3 US Open et on a fait 3 Open de France. Bon côté mesdames yo, c'est polonaise là, Iga Natalia Swiatek qui bat tchèque là Karolina Muncheva 2-7-1. Premier set là t'est fini 6-2. Karolina t'est gagné deuxième set là 7-5 et Swiatek t'est réagi dans troisième set là, t'est gagné 6-4. Numéro 1 mondial là, bon côté mesdames yo, championne, c'est pour la on capable dire c'est troisième fois les remporter international de France là 2022 et 2023. Polonaise 22 ans, c'est 4e trophée dans Grand Chelem. Année passée, elle te prend hier sous pendant. Voilà, c'est ça que tu gagnes en tennis. Et bien, on finit ensemble avec basketball NBA final. Et NBA lui-même l'a continué. Et 5e game, nan, c'est pour Asoya à 8h30. Dans Ball Arena, Denver Nuggets approche voir Miami Heat. Nuggets a mené 3-1 dans série ça. En cas de succès, Asoya, il y a tout sacré champion. Avec dernier info, ça, on a mis fin à la rubrique sportive là. Jonathan Charles, lui-même, qui t'a présenté nous. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. Et c'est là tout. Nous avons mis en bout dans le journal pour aujourd'hui. C'était avec vous, René Thomas, des micros pour servir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Il y a un pays qui finit crasé. L'homme de pitié. Expression ça pas de gain sens pour moi malgré le en créole. L'amour te kon partager avec zanmi yo, pas de bon temps pour me chercher comprendre tout. L'aime vin voyager, j'aime commencer l'ouvrir sur quelque réalité. Même te vin piper réalité ça yo. M'pas t'envie comprendre. Après 10 ans dans pays l'étranger, malgré toute mauvaise nouvelle, nostalgie exige me vin visiter pays. Et c'est là on commence à regretter qu'il m'ait grandi. Plutôt que de petit. Fais-nous mal, yo.
tombe écrasé mon bou mettre sous pépé fiel nous nous prend toute bagaille pour blague pendant la bataille entre nous nous pas engagé nous n'a rien qui important pour nous depuis c'est pas pour chou qui te mêle ou qui n'a pin just pour Rauka, t'es qu'on quitte mille ou à pays chaud. N'a clé ou n'est manifesté, ma de justice pour Jovenel. Pendant ce temps, juge de paix pour qu'on fait constat de saline. Est-ce que tête nous droite, qui justice n'a pas cherché là? Abraham gen pour lui dire cette assez, n'a pas foutu si span rassé là. I love my country, je t'aime. Ti pays ça, qui l'a n'a pas si span fait caca. Semblant pas foutre un état. Merci, politicien. Merci, bourgeoisie. Pour tout ça qui fait nous mal, yo. Ton écrasé, mon goût, mettre foutre. Et l'avocat fonctionne, mon prélin, coussadine. Pas d'un bac, machin, bac à poser sous grand riz. Oh, Jésus. Bagay, ça fait mourir. I just fucking love my country. Qui est-ce qui vrai gangster? Qui est-ce qui pour bon bon village?